Oui, merci. Vous savez, l'Agence de développement communal, premier du genre au Sénégal, a été mise en place il y a déjà une vingtaine d'années. Je signale que déjà c'était une cellule de coordination des projets et programmes de développement au niveau de la commune. Cette cellule a été mise en place en 1994, précisément en décembre, et déjà en 1995. Sous l'instigation de M. Abdoulaye Chimère Diaw, un séminaire national a été tenu à Saint-Louis, présidé par M. Sout Touré, à l'époque ministre de la décentralisation, pour mettre en place l'Agence de développement communal. Et les actes du séminaire avaient retenu dans ses recommandations que cette agence soit mise en place. Ça, c'est une bonne question, parce que vous savez, l'ADC a été réorganisée en 2010. Les comptes ont été audités par un commissaire aux comptes agréé. Et en 2011, donc, on était dans une phase de réorganisation. Cette phase de réorganisation nous a pris pratiquement un an, voire un an et demi. Et nous avons estimé, nous, en tant qu'organe exécutif, que dès l'ADC doit être audité. C'est notre approche de la structure. Et nous avons demandé auprès du président qu'un commissaire aux comptes agréé, donc appartenant à l'ordre des commissaires et comptables agréés, soit désigné pour auditer l'ADC parce que ce sont ces rapports d'audit-là qui seront présentés à l'Assemblée générale. Effectivement, cette demande a été accueillie favorablement par le président de l'agence. Et nous avons cherché à mobiliser ce commissaire aux comptes. Il faut le dire que le texte prévoit que c'est par appel d'offres. Entre-temps, nous avons reçu, dans le cadre du projet assainissement de Guendare, une notification de l'Union européenne qui désigne un cabinet d'audit, en l'occurrence le cabinet Saliou Sarr, pour procéder à l'audit du projet d'assainissement de Guendare qui n'a pas encore démarré, mais déjà. Des précautions sont prises pour choisir un cabinet qui va auditer tout le projet. Et donc, nous avons souhaité que ce cabinet-là pourrait en même temps aussi travailler sur le compte de l'agence d'une manière générale. Je signale d'ailleurs au passage que dans ce cadre des audits, tous les partenaires qui appuient l'ADC font des audits, hein, qui élaborent le rapport. Hein, nous venons dans. De recevoir une mission d'audit de ONU Habitat. J'espère que nous en parlerons dans le cadre du projet de logements sociaux. Donc voilà un peu ce qui a fait que en 2012, nous n'avions pas pu organiser une assemblée générale et nous sommes à l'année 2013, donc qui vient de s'achever, et nous allons prochainement vers l'assemblée générale qui devait se tenir d'ailleurs le 24 janvier. La date a été arrêtée. Mais pour des circonstances particulières, l'Assemblée générale n'a pas pu être tenue et il est aujourd'hui question de tenir l'Assemblée générale dans le courant du mois de février, selon la disponibilité du président, qui est en l'occurrence le maire de Saint-Louis. Donc c'est pour vous dire que nous sommes dans cette perspective de tenir l'Assemblée générale, de partager le rapport d'activité avec tous les membres de l'AG, mais également les plans d'action. Et je signale d'ailleurs que depuis 2011, les rapports annuels sont produits et transmis régulièrement aux différents membres. Mais nous avons souhaité, hein, en tout cas nous avons souhaité très fortement que l'audit soit fait de façon indépendante pour permettre d'avoir les comptes certifiés par un cabinet agréé et de les présenter au niveau de l'Assemblée générale. Il faut éviter des confusions à ce niveau-là. Vous savez que l'ADC, en tant que structure de droit privé reconnue, hein, par les textes législatifs et réglementaires dans ce sens, dispose d'un manuel de procédure. Ce manuel de procédure qui a été adopté en même temps que les textes, les statuts et le règlement intérieur et le règlement financier de 1999 dicte un peu la conduite à tenir en la matière. C'est une association de droit privé, donc il faut pas l'occulter. Et donc à ce titre-là, elle peut tout à fait en interne s'organiser pour travailler sur ce qu'on appelle des marchés entre guillemets. Et là aussi, j'attire l'attention
de tous ceux qui en parlent, de faire un peu attention, parce que un marché peut avoir plusieurs compréhensions. Dans le cas d'espèce, vous savez, dans le cadre du programme de coopération avec la ville de Lille, il était question de travailler sur le volet action sociale. Alors, dans le cadre de l'action sociale, il était prévu de mettre en place un centre communal de l'action sociale par la mairie de Saint-Louis, appuyé par la ville de Lille. Pour mettre en place ce centre communal, il fallait créer, donc il fallait réaliser une étude, mais en même temps organiser plusieurs réunions, plusieurs séminaires, etc. Nous avions estimé, il y a à peu près un an et demi, que la demande sociale, ce n'est pas de faire des séminaires, ce n'est pas d'organiser des rencontres ou bien de réaliser des études. La demande sociale, elle s'exprime à travers des projets pour l'éducation, pour la santé, pour l'action sociale, etc., etc. C'est ainsi que nous avons souhaité réorienter ces ressources dans des projets qui sont vraiment des projets répondant aux préoccupations des populations. Et le maire de Saint-Louis a écrit de façon formelle à la maire de Lille pour souhaiter que ces ressources soient orientées vers des projets issus des plans de développement des quartiers. C'est ainsi que le maire, dans sa lettre, a proposé que la case de santé de Hydrobase soit réalisée, le centre social de Ndartout, l'école franco-arabe de Sordaga, le changement des abris provisoires de l'école Sintian de Bango pour faire des constructions, mais également la prise en charge des enfants déficients mentaux de l'association AZM qui est basée à Léona. Donc voilà les actions qui ont été réalisées dans ce qu'on appelle des marchés. Et c'est des montants qui varient entre 3 millions et 4 millions de francs CFA qui ont été confiés à des opérateurs locaux pour faire ces réalisations-là, d'autant plus que ces réalisations devaient être comptabilisées dans le programme entre la ville de Lille et la ville de Saint-Louis, dont l'ADC assure aussi la maîtrise d'œuvre et qui s'est achevé au mois de décembre 2013. Donc nous avons souhaité, au lieu de perdre ces ressources ou en tout cas de les dépenser dans des actions qui ne nous semblent pas d'une très grande utilité, les mettre à la disposition des populations à travers ces projets que je viens de citer. Et l'ADC a effectivement la possibilité, dans le cadre de ces mécanismes internes d'organisation et de fonctionnement, de procéder à des consultations pour arriver à ces réalisations-là. Donc voilà un peu ce qui explique la situation. Par contre, il y a des dossiers qui relèvent de la commune et pour lesquels l'ADC a fait les études et a fait la programmation. Ces projets-là relèvent de la commission municipale des marchés. Il ne faut pas faire la confusion. Il y a les actions que l'ADC elle-même peut porter en tant que structure, parce que ça, son organisation lui permet de le faire. Il y a un manuel de procédure qui régit son mode d'organisation et de fonctionnement. Mais je signale également que si vous visitez les statuts de l'ADC, le règlement intérieur et le règlement financier, vous verrez que dans les ressources de l'ADC, il est tout à fait possible de mobiliser des subventions, des appuis qui peuvent venir de la commune ou d'autres organisations, même si depuis pratiquement un an et demi, nous avons tout à fait... nous ne bénéficions pas du soutien de la commune dans le cadre d'une subvention que pourtant elle avait décidé de donner depuis la mise en place de l'ADC il y a déjà une vingtaine d'années. Mais cela aussi était une position de la commune de permettre à l'ADC de ne pas puiser sur les ressources publiques, mais également de s'organiser pour pouvoir fonctionner de façon autonome, de façon indépendante, sans pour autant aliéner les ressources communales qui sont déjà insuffisantes. Donc on est dans cette perspective-là. Je pense que là c'est tout à fait clair et il faut, à mon avis aussi, regarder que tout ce qui est fait à l'ADC se fait d'une manière quand même, je pense, professionnelle et dans la plus grande transparence, parce que je crois que l'ADC aussi n'a pas même pas vocation à mobiliser des ressources extraordinaires
hein, comme d'ailleurs le cas du programme de développement touristique dont on parle aujourd'hui et que certainement ceux qui en parlent ne savent pas comment ça se passe et comment ça se gère. Et nous pouvons certainement en parler si vous le souhaitez. D'abord préciser que pour le GADES, c'est un financement qui est accordé par l'Union européenne et qui ne relève pas de l'ADC. Je pense qu'il faut plutôt aller vers la commune et je pense que ceux qui en parlent, à mon avis, ont les informations ou en tout cas savent là où il faut aller pour prendre les informations concernant le projet GADES qui ne relève pas de l'ADC. Donc là, je voulais quand même être très clair sur ce sujet-là. Le deuxième sujet, ça concerne le projet ONU Habitat. Alors, pour le projet ONU Habitat, les logements sociaux, ces logements sociaux ont fait l'objet d'un accord d'exécution entre ONU Habitat et la fondation espagnole qui s'appelle Hands on Home. Cette fondation a été chargée par ONU Habitat, sous le contrôle de la commune, avec l'appui de l'ADC, d'exécuter le projet et de construire les logements sociaux. Ces logements que vous avez vus en Galel ont été construits par la fondation Hands on Home, qui a signé un contrat en bonne et due forme avec ONU Habitat. Donc je signale à l'attention du public et de tous ceux qui nous écoutent que les logements sociaux n'ont pas été construits par la commune de Saint-Louis, mais par une fondation espagnole basée à Barcelone qui s'appelle Hands on Home, qui a été mandatée par ONU Habitat pour s'occuper des logements sociaux. Maintenant, pour ce qui concerne le programme de développement touristique, vous savez, il a fait l'objet de communications depuis le 19 juillet 2010. Jusqu'à présent, nous n'arrêtons pas de communiquer sur ce programme-là et je pense que les conseillers municipaux attentifs et qui sont tout le temps dans les instances de la commune savent bien de quoi il s'agit. L'AFD a signé une convention de financement avec le gouvernement du Sénégal à qui elle a octroyé une enveloppe de 24,5 millions d'euros, dont les 4 500 000 euros sont destinés au ministère de la Pêche et des Affaires maritimes pour prendre en charge la route de l'hydrobase, mais également la réhabilitation du port polonais. Les 20 millions d'euros sont répartis pour 19 millions d'euros à la commune de Saint-Louis et 1 million d'euros pour le syndicat d'initiative et la réhabilitation du village artisanal. À la suite maintenant de cette convention signée entre l'État du Sénégal et l'AFD, l'État du Sénégal a signé une convention de rétrocession des fonds à la commune de Saint-Louis. Je signale à l'attention de vos auditeurs que ces fonds sont gérés directement par le Trésor public national parce qu'un compte spécial est ouvert au nom du trésorier général à la BCAO à Dakar et ce compte est mouvementé par le trésorier général. Même le trésor local ici n'intervient pas dans la gestion des fonds, encore moins l'ADC ou une autre structure. Aucun paiement ne se fait ni par la RPM, ni par le trésor régional, ni par une autre instance. La direction de l'investissement du ministère de l'économie et des finances est ordonnatrice des fonds et que toute demande de paiement lui est adressée, à charge pour elle de saisir le trésor national pour le règlement des factures qui sont présentées par les différents maîtres d'ouvrage. Je signale également que le programme de développement touristique relève de plusieurs maîtres d'ouvrage. Tous ces milliards dont on parle appartiennent à plusieurs ministères et à plusieurs structures. Ces milliards dont on parle concernent la commune, qui en est le principal bénéficiaire, concernent également le ministère de l'Environnement et du Développement Durable à travers la direction des parcs nationaux qui va intervenir sur Gumbel et Djoud. Ce programme concerne aussi le ministère de la Pêche, je viens d'en parler pour ce qui concerne la route de l'hydrobase et le port de pêche. Ce programme concerne aussi le syndicat d'initiative, donc le ministère du Tourisme, mais également le ministère de la Culture et du Patrimoine, qui est chargé de la réhabilitation des locaux du syndicat d'initiative, mais également de l'aménagement du toit de la poste pour une vue panoramique de l'île. Et enfin, le programme concerne aussi le village artisanal,
dont les locaux seront réhabilités dans le cadre de ce programme. Voilà donc comment le programme de développement touristique est constitué et comment ces ressources sont réparties par l'ensemble des bénéficiaires. Je vous signale que la route de l'hydrobase est confiée à l'Agiroute et que la réhabilitation du port de pêche est confiée à l'ANAM, l'Agence nationale des affaires maritimes. Donc voilà le programme de développement touristique. Il faut quand même que ceux qui s'interrogent et se légitiment prennent aussi la précaution d'aller s'informer, parce que c'est important, parce que des questions peuvent quand même induire un certain nombre de questionnements auprès de l'opinion qui probablement ne comprennent pas comment les choses fonctionnent et comment les choses se passent.